Next move, chers amis. Il s'agit d'une quête ici, à l'académie, c'est ça. Il faut que je tue Cassiopée. Cassiopée qui, je pense, si j'ai bien suivi l'histoire, est juste la fille aux cheveux rouges avec son sac Evoli. Logiquement, vu que c'est, elle n'était pas là quand on a fait le dernier truc. Logiquement, c'est elle. Serait-ce un plot twist ? Je pense que c'est elle. Je pense que c'est Pania. Cassiopée est Pania, normalement. Je veux ce sac, by the way. Ouais, il est incroyable, son sac. Ouah, 2 FPS, trop stylé. Ok. J'ai re-sauvegardé pour la millième fois. C'est où ? Ah, c'est là-bas. Hop là, bonjour. Oh non, il y a le mec trop cringe. Oh, je le déteste. Je le déteste. Yo, Nufle ! Monsieur le proviseur. Eh non, c'est Clove, ton bon vieux pote. Il y a un moment, va falloir arrêter la blague. Ou pas ? Je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque. Et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Tada ! Oh ! Mais c'était le proviseur depuis le début ! Pardonnez-moi toute cette petite mise en scène. Car oui, Clove n'était autre que le proviseur de l'Académie Orange. Clavel ! Chlamydia, je veux dire ! Mais je le savais. Baliverne, mon déguisement était parfait. Quoique, il est vrai que mon jeu d'acteur laissait à désirer par moments, et cela n'a pas échappé à votre attention. Fichtre ! Néanmoins, je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Car le Big Boss, le cerveau de la Team Star, autrement appelé Cassiopée... C'était moi ! Non, c'était pas toi. Ferme ta gueule. Je vous l'assure ! Non, c'est pas toi. C'est Pania. On a tous compris que c'était Pania. Ferme-la. Arrête. J'ai enregistré à l'avance toutes les conversations sur mon radio cassette. Et grâce à un stratagème dont je vous épargnerai l'explication, je vous ai dupé. C'est la vérité ! Non, ta gueule ! Alors, monsieur Nufle, aurez-vous le courage d'affronter le Big Boss ? L'heure n'est pas à la réflexion, le combat ultime a déjà commencé. Non, mais c'est pas toi, ta gueule. Chlamydia, le proviseur, veut se battre. Il envoie un gouroutan. Oh non, pas cette merde, hein. Mais c'est vraiment ça ? Non, c'est pas possible, je refuse d'y croire. Ça peut pas être lui. Voici devant vous Cassiopée de la Team Star. Mettons fin à l'opération sur le champ. Mais non. Non, je refuse d'y croire. Ça peut pas être toi. Je refuse. Non, putain, je veux pas le terra cristalliser. Je sais pas ce que je vais faire face à ce singe de merde. Niveau 60 quand même, hein. Niveau 60, hein, les Pokémon. J'ai peut-être été un peu vite. Non, le dragon, j'en peux plus, hein. J'en peux plus, hein, de ce Pokémon de merde. Il rate tout. Mais il rate toutes les attaques. Et en plus, il dort. Ouah, c'est le pire Pokémon que j'ai eu de toute ma vie. J'en ai marre. Ah, le poisson, chier. Ah. Je parie qu'il veut le test avant le vrai combat. Ouais, je pense, ouais. Salut, Rix Fox. C'est pas possible, hein. Dévore rêve. Bah tiens, cher. Bon. Allez. Mange-moi ce truc, là, qu'on en finisse. Ah, voilà, un Pokémon qui arrive à taper. Oh là là, les FPS du Psycho-Quack. Il faut arrêter d'endormir tous mes Pokémon, par contre, hein, s'il te plaît. Ça va devenir très lourd. Hein. Allez, ça dégage. Mais c'est de la triche. C'est de la turbo-triche. Hein. Ah, voilà, tricherie. Je viens de le dire. Un Pokémon qui dort, la bordel de cul. Je suis sûr que j'ai un réveil qui traîne. Réveil. De tout mon let's play, j'ai forcément un réveil. Oui, j'en ai 4. Allez hop, lève-toi et retourne au combat, frérot. Arrêtez de vous déplacer en 2 FPS autour de nous, c'est gênant. Rah. Ah, cher. Il veut absolument manger mes rêves, ça n'arrivera pas. Allez, dégage.
Je déteste Gouroutan, hein, c'est sûr maintenant, c'est officiel. Hein. Oh, niveau 55, let's go. Ah, il envoie un Léviator. Ouais, normalement, Léviator, je peux le défoncer avec le DF, si tout se passe bien. Double type. Normalement, l'électricité, ça doit le dézinguer. J'aurais bien aimé avoir de meilleures attaques électriques avec le DF, genre tonnerre ou un truc comme ça, mais... On va voir. Léviator niveau 60. Ok, étincelle. Ah oh oui, super. Ok, très bien. Oh le bâtard, il a un séisme. Oh, waouh, waouh. Ah, tu veux jouer à ça, mon ami? Tu veux jouer à cela, mon ami? Canon Grain. Ça, c'est bon, ça passe. Il lui reste combien de Pokémon? Il envoie un Blizzaroi. Blizzaroi, Blizzaroi. Le chien, non? Il me semble que contre le type glace, c'est le type feu. Mais le feu, ça fait fondre la glace. En plus, il a double type glace-plante. Non, pas glace-plante, je sais plus. Non, pas Blizzaroi. Si, il est glace-plante, lui. Je sais plus. Alerte... Ah, il commence à neiger. Ouais, bon, ok, d'accord. Déflagration... Ah, mais il a 6 Pokémon, lui. Ah, oui. Bien sûr que c'est efficace. Bien sûr, Naflon. Bien joué, Naflon. Ok, ça, c'était bien joué. 56. Il va envoyer un Poltergeist. Je vais tricher et regarder le type de Poltergeist. J'ai complètement oublié. Poltergeist. Non, Nalf, putain, je te déteste. Tu sais pas écrire. Poltergeist Pokémon. Alors, qui es-tu? Ah oui, c'est ça. Spectre. Spectre, spectre. Ouais, spectre. Ouais, je veux bien. Ouais. Bon, pourquoi je changerais en fait finalement? Ah, spectre. Il est mignon. Il est mignon. Morsure. Bien, très content. Armure rouillée. Ah, ça augmente ça. Ah, d'accord, ok. Exuviation. Qu'est-ce que c'est? Ça augmente son attaque spéciale. La défense baisse, mais l'attaque spéciale monte, c'est ça? Oui. Ah non, oui. Ah si, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Augmente beaucoup. Attaque et attaque spéciale. Très bien. Et la vitesse. Oh, prochain truc, il va attaquer en premier. Sauf si ma vive griffe pop. Mais ma vive griffe, elle pop plus depuis longtemps. Fait chier. Proc. Ah non, dommage. Ok. Je vais me prendre cette balle ombre qui m'a one shot du coup. Waouh, ça m'a one shot sale. Ok. Il faut savoir que c'est un Pokémon qui a beaucoup de vitesse, donc il va me dézinguer. En avant le chat. En avant le chat. Une petite câlinerie aux tranches nuit même, hein, c'est bien, mais il est beaucoup plus rapide que moi. Ça, ça me brûle, non? Ça, ça brûle, je crois. Oui, ça brûle. Ok. Ok. Tranche nuit, ça le termine. Alors, en fait, ça va dépendre de la suite des autres Pokémon dont il dispose, le bonhomme. De quoi tu disposes, bonhomme? Balance tout, garçon. Un golet. Un golet? Ah, golet, le golet, c'est le gros champignon. C'est le gros champignon. Oh non, déjà un golet sauvage, ça me pétait les couilles. Alors un golet de dresseur, plante poison. Ah putain, j'aurais bien aimé avoir mon chien là. Parce que là, plante poison, ça va pas le faire. Hein. J'aurais voulu avoir mon chien. Tant pis. Ah, c'est chiant. Ça ajoute de la difficulté. Ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Bon, là, ça va être chaud. Si je suis vraiment trop dans la merde... Je vais faire revenir le chien. Non, ok. Faisons revenir le chien.
La neige s'est arrêtée. Bon, elle a servi à rien, la neige, hein, clairement. Ok, on fait revenir le chien, parce que sinon, ça va être trop chiant. Rappel. Le chien. Reviens, le chien. Normalement, le chat va reprendre des dégâts, mais pas se mettre KO. Je vais pouvoir soigner le chien. Le feu m'enlève combien? 10. Ça va, en vrai. 10 HP, ça va. Par pic, ça va. Hyper potion, je pense que l'hyper potion suffit. Oui, l'hyper potion suffit. Je remets le chien à fond. Il va sûrement me servir face au golet. Et voilà. Châtiment. Ouais, je pourrais lui remettre un petit tranche nuit avant de partir avec les honneurs, quoi. Ouais, avant de partir avec les honneurs. Un petit tranche nuit. Voilà. Un petit dégât. Ah! Ah, elle est hantée, cette école de merde. J'ai juré, elle est hantée. Alors, je sais pas si je suis le seul à l'avoir vue, mais c'était horrible. C'était horrible. Il va falloir que je clippe ça. Il va vraiment falloir que je clippe ça. C'était immonde. J'ai vu un visage qui flottait tout seul dans les airs. Il envoie quoi? Un flamigator. C'est quoi un flamigator? Oh. Ah. D'accord. Je crois que je sais. Je sais ce que c'est, frérot, ton flamigator de mort. Serais-je en mauvaise posture, moi, Cassiopée? C'est pas toi, Cassiopée, ta gueule! Ah, il est moche, ce Pokémon! J'ai bien fait de prendre le chat. Hein. Le croco est pas beau. Ok. Je te terracristallise le fiac et je lance une hydroqueue. Ça devrait le faire, j'espère. Parce que lui, il va terracristalliser son croco. Normalement. Ok, bien. Je n'ai nulle autre alternative, mais voici contraint de faire appel à la cristallisation, bien sûr. Oh, chaton. Nananana. Et oui. Le crocodile. Allez, tape-moi ça fort. Oh oui, merci. Ah, normalement j'ai gagné. Si tout se passe bien. S'il se fait pas one shot. Oh, eh mais Ballombre, c'est trop fort, hein. Ballombre, c'est turbo fort, hein. Oh, let's go, let's go. Oh. Ah, je suis content. Très bien. Je suis ravi de constater que vous avez gagné en talent. Mais c'est pas toi, Cassiopée. Tu nous auras pas. Tu nous auras pas. Quoi? Le dragon évolue, enfin, et va devenir utile un jour? Ouais, mon Dracolosse! Ouais! Félicitations, le dragon évolue en gros dragon. En le gros dragon. Pokémon Dragon, on dit qu'il existe une île quelque part dans l'océan où ces Pokémon se réunissent pour vivre paisiblement. L'île Dracolos. Boum! Le dragon veut apprendre vent violent. Ah, moi je connais ça quand... Ah, j'ai déjà fait la blague. Le lanceur déclenche une tempête de vent violent qui s'abat sur la cible et peut aussi la rendre confuse. J'aime bien ça. Par contre, précision 70, ça va encore me faire rager. Ça a l'air bien Terra Explosion en vrai. Je pourrais peut-être enlever l'ultra laser à ce moment-là, mais. J'ai que des trucs avec de la précision de merde, à part la Terra Explosion, quoi. C'est très grave, hein.
Ah, Dracolos, le Pokémon le moins précis de l'univers. C'est quoi son attaque SP? Ah putain, mais j'ai pas ma cam. C'est quoi son attaque SP? Ah oui, il a plus d'attaque que d'attaque SP. Hein. Oh, allez, Ultra Laser, ça dégage. Vas-y. Ça dégage, Ultra Laser. Ton clip. Ah merde, mais comme t'es pas VIP, je peux pas le voir. Mais merci, c'est gentil. Tu peux le mettre sur Discord si c'est sur Discord. Si c'est sur le Discord de la chaîne, n'hésite pas. Il y a le truc clip. Tu me l'envoies en MP, je le mettrai dans le truc clip. C'est con. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Monsieur Nufle. En fait, c'était pas moi, Cassiopée. Vous avez grandement progressé au cours de votre chasse au trésor. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée, c'était un mensonge. Mais non! Oh! Nous sommes tous visage choqué. Ah. En revanche, Clove et moi étions bien et belles les mêmes mères. Mais on le savait, putain. J'imagine que vous vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. À dire vrai, j'ai ma petite idée sur la question. C'est Pania, putain! C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. Je voulais pas qu'à l'issue de votre combat, la tristesse de Cassiopée devienne votre fardeau. Cependant, sa décision est prise, et cette dernière est irrévocable. Au revoir. Ok, Denis Brunière. Nonobstant, j'avais des doutes sur les capacités d'un simple élève à relever un tel défi. En MP Discord, ça me va. Ou Twitch, oui. Twitch, ça va très bien aussi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel, pour vous tester. Et pour décider à qui de nous deux incomberait la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école. Un proviseur ne devrait pas imposer une telle responsabilité à ses élèves, mais je vous le demande. Affrontez Cassiopée et battez ce big boss une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est d'accord, allez, vas-y. Tu m'as juste fait perdre du temps. Merci infiniment, je savais que je pouvais vous faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ça? C'est la rappeuse Cringe? Oh, Madame Taïm, quel plaisir de vous voir. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Monsieur Clavel? J'ai entendu dire qu'un combat avait eu lieu au sein même de l'établissement et que vois-je? Le proviseur en personne qui se bat contre un de nos élèves, n'avez-vous pas honte? Y a méprise, madame, voyez-vous, y a une explication tout à fait rationnelle à... Oh, ne faites pas le grimalin avec moi, Monsieur Chlamydia! Le grimalin? Mais je... Ah, le Big Boss vous a donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas? Dans ce cas, allez-y, le destin de notre jeune Cassiopée est entre vos mains. Vous ne vous en tirerez pas si bon compte, j'en tiendrai notre présidente informée. Oh non, je vous en prie de Dieu, j'en appelle à votre bon cœur. Hop, à bientôt, Chlamydia. Ok. C'est par où maintenant? Ah oui, de nuit, elle m'a donné rendez-vous. Mais comment je fais pour... Ah, on a le dragon, je suis content. Hein. Arrêtez de me backseat, la bordel de merde. Il est suisse, le directeur. Exactement, c'est ça. C'est Pokémon édition Bully. Bah, en gros, ouais, ça traite beaucoup du harcèlement et tout. Ce qui est déjà un thème un peu plus intéressant que le reste des générations qui ont précédé, là, je trouve. J'aime beaucoup les thèmes abordés dans ce Pokémon, en vrai. Ok. Est-ce que je me lance dans la ligue? La ligue? En vrai, la ligue, elle va me péter en deux, je pense. Il me faudrait un peu plus d'XPK. Mais pour XPK... Ouais. Laissez-moi réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Déjà, c'est où la ligue? Que je me situe sur la map? Non. Non, non. Ah, c'est juste là, ok, avec Menzi. C'est ici, donc. La ligue va me péter en mille, ça je le sais. Il faudrait que je tente Cassiopée, mais je pense que Cassiopée va me péter en mille aussi. Moi, dans l'idéal, j'aimerais que mes Pokémon soient niveau 65 en moyenne. Il faut que je trouve une zone où les Pokémon sont niveau 50 pour que... Que je puisse XP. Le problème, c'est que je ne sais pas
Où sont les Pokémon de haut niveau en fait dans les zones? Peut-être pas loin de la ligue hein, en vrai, si je me trompe pas. Le cratère de Paldea en plein centre. Ah mais le premier, enfin en vrai le sujet de la première génération était cool. GG le Dracolos, merci. Au pire, je peux essayer Cassiopée juste pour voir à quel point je me fais péter et en fonction de ça, je vais XP. Moi, je suis ouvert. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour passer jusqu'à la nuit, par contre? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une question réelle. Bonjour, j'aimerais attendre ici jusqu'à la nuit. Ah, on peut suivre des cours? What the fuck, c'est quoi ça? Éducation domestique, bien sûr. Ouais, de Monsieur Saguaro, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, hein, je découvre... Oh, je suis tout rouge. Je découvre, hein. Oh, je suis colère! Oh! What the fuck? Bonjour à tous! Vous avez l'air d'être une classe remplie de jeunes gens éveillés, tant mieux! Ah, je m'appelle Monsieur Saguaro. Durant ce cours, vous acquérirez les compétences et les connaissances indispensables à la vie quotidienne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû quitter le domicile familial et doivent désormais s'habituer à la vie sur le campus de l'académie, et si je parvenais à la rendre plus agréable grâce à mon cours, j'en serais vraiment ravi. Nous allons ici principalement étudier l'habillement, la nourriture et le logement. Parmi tous ces éléments, j'imagine que ce qui vous préoccupe le plus est la nourriture. Durant un pique-nique, manger des sandwichs permet de bénéficier d'auras gustatives qui peuvent octroyer une grande variété d'effets. Oh, je m'en fous, j'aurais jamais dû lancer ça, putain. Oh non, mais non, mais non, mais ta gueule. Oh, c'est long. Quel est l'élément qui permet d'obtenir des meilleures auras? Je ne sais pas, monsieur. Allez. Oh non, je suis pris en otage, putain. J'ai lancé un tuto, mais oui, je suis trop con. Ah, allez, 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 sandwich, c'est sandwich, miam, miaou. Ah! Oh putain, bah c'était court, hein, le cours. Et bah c'était bien. Qu'obtiens-je si j'accouple mon tentacouille? Ok, let's go. Allez, on sort. Il fait nuit. J'ai assisté à un cours, il devrait faire nuit. C'est pas la nuit, ça, je reconnais. Hein. Moi, je sais que dans Arceus, on pouvait faire « j'aimerais attendre jusqu'à la nuit », machin, etc. Hop, le chien, niveau 55. Hop. Je les classe toujours par ordre de niveau. Allez, backseat autorisé, si vous me dites comment... Enfin, juste pour cette question, comment est-ce qu'on attend la nuit, en fait, dans ce jeu de con? Geoffrey! Tu peux pas? Juste, tu attends? Oh, c'est chiant! Ok, c'est pas grave. Juste, j'attends, donc bon, je vais attendre. En attendant, justement, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de retrouver un endroit où... J'aimerais retrouver un endroit où les Pokémon sont haut niveau, en fait. Et je me dis que là, c'est possible. Hein. Pas loin de là. Je peux y aller directement. Comment ça? Bonjour, bienvenue, Geoffrey. Changer leur console. Bon, non, non, ça marche pas comme ça. Hein. Ça suit pas l'heure de la console, hein, normalement. Enfin, je crois. Hein. Allez, Gopex. Je sais pas où, par contre. Je sais pas où les Pokémon sont forts. Putain, pourquoi ils ont pas mis les zones en fonction des niveaux? Enfin, pourquoi ils ont pas mis les niveaux sur les zones? On chier? Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, bah écoutez. On va aller au seul endroit où je sais qu'il y a des Pokémon pas cool. Ici. Ici, il y avait des Pokémon assez forts. On va voir. Toi, sale noob. On va farmer, hein. Sur épée bouclier, ça marchait. Ah ouais, je sais pas si ça marche, là. Mais j'ai pas envie de faire ça maintenant.
Nanananananana. Ok. C'est Ipar. C'est Ipar. Oh, le nounours. Oh putain, je l'ai pas en plus. Oh, mais j'ai pas ça. Oh. T'es dit Ursa, je l'ai, mais j'ai pas le gros. Non. Mais putain, il... Mais non. Mais... Mais il est con, votre jeu, c'est pas possible. Non, le gros, je veux le gros, bordel de merde. Il est assis sur un trompignon, j'en reviens pas. Allez, lui, c'est bien là. Oh, enfin! Merci! Oh, le gros cul de Arcanin. Rapid Ball. Est-ce que ça va carry? Souvent, ça carry la Rapid Ball, hein? Ok, c'est pas grave. Oh! C'est ouais, mais Cavalerie lourde, c'est fort un peu comme, comme attaque, hein? C'est fort, hein? Ok, tant mieux si ça échoue. Il était temps. Est-ce que le dragon va servir à... Ah putain, je l'ai pas renommé! C'est censé être le gros dragon maintenant. Vent violent. Très bien, ça, ça me va. Il a utilisé sa grimace. On va y aller au culot avec une hyperbole. Hyperbole. Un trompignon dans le yonf. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas grave, on va retenter. Je pense que ça donne... J'ai un Luxray qui veut des hacks à côté de moi. Yeah, c'est pas grave. Ça va partir sur une chrono ball très rapidement. Salut Darkness, bienvenue. Au pire, il y a la Master Ball. Ouais. Pour l'Urs... Ah, impec. L'Ursidé. L'Ursaring. Abouer. J'aurais aimé Pex un peu plus que ça. Pokémon hibernant. Son visage austère s'illumine de joie lorsqu'il savoure du miel. Un aliment qu'il adore. Puisque c'est un ours. Ok. Très bien. Un de plus au Pokodanx. Un plus dans le Pokodanx. Bon, bah écoutez, je pense que la meilleure chose à faire ici est de péter la gueule de tous les Pokémon possibles. Et pour cela, nous avons ce qu'on appelle... La bagarre rapide. La bagarre rapide, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est que tu prends un Pokémon et tu le lances dans le tas. Et tu espères que ça win. Par exemple, Luxray, si je lance mon Dino, là, il devrait se faire oblitérer. Pète-lui sa gueule. On a failli attendre. Ah, ça donne pas tant d'XP que ça, en fait, finalement, de le lancer en combat rapide. Un peu déçu. Tiens, pète-moi ça, là. Très bien. Oh, ça donne pas tant d'XP que ça, mais bon, tant pis. Le dinosaure n'est plus en état de combattre. Mais bordel, le dinosaure. Ah, il faut que je renomme le gros dragon. Hop. Le. Nya. Le gros. Le gros dragon. Voilà. C'était l'opoti dragon, le dragon et le gros dragon. Je vais envoyer le Giga Chad hein, qui règle toujours tous les soucis. Il n'y a pas à chier, hein, il est quand même incroyable, Léviator. Léviator, c'est quand même quelque chose. Ah, pas, peut-être pas sur le Luxray par contre. Ici. Ça va, oui, le jeu. Détruis-moi tout ça, frérot. Oh yes, ça fait monter de niveau. Ah, j'aime bien ça. Salut Benji, bienvenue. La rêve de mon microphone. C'est un microphone Rode, il me semble, si je dis pas de conneries. Après, la rêve exacte, je saurais pas te le dire. Je me suis fait attaquer là. Ah merde.
Je pense que Mania, ça va, on va s'en débarrasser rapidement. Aïe, non, c'est bon, ça va. De rien. Master Ball que sur les Pokémon avec destruction, explosion. Ouais, il y a encore des Pokémon fuyards, ouais. Il y en a certains, ouais. Allez, le poisson, on continue. On détruit tout ce qu'on peut. Ok. Bon, par contre, si je veux les faire monter en moyenne niveau 65, ça va être un peu long comme ça, on va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Dommage que je puisse pas en envoyer plusieurs des Pokémon, là. Ah, mais non, mais tu te fais péter par Luxray, évidemment. Mais putain, il est con, lui aussi. Voilà. Va pas sur Luxray, je t'en supplie. Et je te déteste, en fait. Hein. Je te déteste, en fait. Hein. Vas-y, tue le champignon, là. Ah, il mouille. Tiens, arrête de mouiller. Attaque. J'ai hâte que le DLC arrive. Je sais, il va apporter quoi, le DLC? Pourquoi pas Luxray? Parce que je pense qu'en combat rapide, ça prend en compte le type et pas les compétences. Non! À l'aide! Léviator! Ah! À l'aide! Mais fais quelque chose! Il est parti sur un autre. À l'aide! Putain! Ah, fait chier, hein! Gambex de mort. Mania. Et voilà, bah voilà. Voilà, ça dégage. Parfait. Ouh. Ça monte vraiment pas vite. Très bien. Encore lui, vas-y, attaque. C'est vraiment pas rapide, hein. Ok, détruis-moi tout. Détruis-moi tout là-dedans. Merde, je voulais pas lui parler. Oula. Ok. Oh putain, il y a un Luxray. Reviens. Fais pas le con, Billy. T'es encore jeune. Non. Il fait chier. Oh, là, il va faire un carnage, là. Faites-moi tout là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de traquer un insécateur, là. Ok. Ah, je me fais attaquer. Je me fais attaquer par un putain de... Vas-y, tue-moi ça, là. Très bien. Bah, je crois que on va faire autre chose, hein. J'ai pas envie de rester ici 3 heures, hein, les amis. Sachez-le. Ok, le poisson qui défonce tout le monde, ça fait plaisir. Ah. J'espère qu'il y aura des Pokémon Paradox de plus. J'ai pas la ref du tout. Moi j'ai pas fini le jeu donc. Allez, mange-moi tout. J'adore Léviator, il est trop fort en combat de rue. Ah putain, les insécateurs, ça donne rien. Le DF niveau 58. Il va attaquer le Luxray. Vous pariez combien? Voilà. Bon, j'en ai marre. J'en ai marre de ce Pokémon. Ah, mais il y a trop de Luxray ici. Oh, un chaton. Ok, on soigne. Est-ce qu'il peut faire nuit, s'il vous plaît? En fait, c'est ce qu'on attend le plus, hein. Tu peux finir le jeu comme ça, niveau XP. Ouais, bah même. Lévi a raison. C'est marrant. Le poisson. C'est le poisson. Est-ce que vous vendez des guérisons? Tiens, telle est la question que je me pose. Parce que c'est quand même sacrément OP. Oh, ils en vendent. J'en prends juste 25. Hein. Ah merde, j'ai pas assez. Bon, j'en prends juste 15. Allez. Parce que guérison, c'est incroyable. Hein. Merci. Ouais, je vais peut-être revendre, ouais.
Je vais revendre des trucs là. Il me semble que j'ai ramassé des bambous. Voilà, des bambous, des petits bambous et des os rares. Enfin, un os rare. Hop. Os rare. Parfait. Ça fait de la thunasse. Ouais, moi aussi, j'espère vous revoir bientôt. Est-ce que la nuit peut tomber? Ce serait grave cool. Ça mettrait automatiquement une fois sur place, ah ouais? Mais tout à l'heure, j'y étais, ça mettait pas. Je vais le refaire. Le chien, niveau 56, tu vas passer en première place. Voilà. À l'attaque! À l'attaque, j'ai dit. C'est où? C'est là. Ok. Voler. La bagarre! Il nous reste une heure de stream. Une heure de stream pour essayer de finir un maximum de choses. Il y a eu combien de traumas crâniens ton corps, Aiden? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Bonjour, anthologique. Ah ouais, ça se... Ouais, c'est cool. Il fait bien nuit. Ok. Bon, bah du coup, on repart. Hein. Elle est où la cour de l'école? C'est ça, non? Ou alors il y a une sortie par derrière? Bonjour, est-ce que vous avez une sortie par derrière? Si je tourne en rond à cause d'un backseat, ça va très très mal finir. Oh merde! Derrière peut-être? Oh là le clipping! Waouh waouh! Calmez-vous! Calmez-vous! Où voulez-vous aller? Voyons voir. Cafétéria, hall d'entrée, salle de biologie, machin, cours de l'école. Ah, cours de l'école, voilà, c'est là. Ah, c'est tout en haut, d'accord, ok. C'est un peu con, hein. L'autre, il m'a attendu à un endroit. Ah, voilà. Bah voilà, merci. Ça va, c'était pas un backseat info de chat. Nufle! Tiens, c'est étonnant, ça. Est-ce que ce serait pas... Pania? Hein? Nufle! Oh, on se demande qui c'est, hein. Merci d'être venu, Venufle. Oh. C'était elle depuis le début, what the fuck, les amis. Je dirais même Zubi. Zubi! Oh, c'était toi! J'imagine que tu dois être surpris. Ah bah oui, bah totalement. Le Big Boss, Cassiopée, c'était moi depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as sauvé des sbires de la Team Star devant l'école? C'est en te voyant à l'œuvre ce jour-là que j'ai eu l'idée de monter l'opération Stardust. Mais j'avais besoin de te convaincre de me le rejouer. C'est là que j'ai pensé au LP. Grâce à mes talents, disons que je peux m'en procurer en masse aisément sur League of Legends. Ah, avec une telle récompense à la clé, j'avais bon espoir que tu acceptes de m'aider. Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffisait d'interagir avec toi en tant que membre de l'équipe de ravitaillement. Mon objectif était de te laisser affronter chaque boss, puis de me vaincre pour mettre fin à la Team Star une bonne fois pour toutes. Tu pouvais pas dire aux autres, on arrête ? Mais il y a toujours cette partie de moi qui refuse de laisser la Team Star disparaître. C'est pourquoi je peux pas me rendre sans me battre. Alors, est-ce que tu es prêt pour cet ultime combat? Oh là, par contre, l'explication est foireuse. Non, malheureusement, on peut pas les transférer sur LOL, les LP, sinon je l'aurais déjà fait. Je suis prêt à me faire péter le cul! Merci. Oh là! Cringeman! Désolé, je suis à la bourre. Madame Time m'a retenu et je... Bref, peu importe. Cette voix. Ah, cette voix, Clove? C'était donc bien vous, Pani? Pardon, je veux dire, c'était donc toi, Cassiopée? Oui, c'était moi. Tu tombes bien, j'ai un service à te demander. Je veux que tu filmes notre combat. Il faut que les membres de la Team Star voient de leurs propres yeux qui a remporté la victoire. Ah, d'accord. Très bien. Je vais me faire péter en mille. Je le sens, je suis pas préparé du tout. Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis la Big Boss, Cassiopée, on l'avait compris. Mon vrai nom est Pania, waouh. Incline-toi devant la toute-puissance de la Big Boss. Je me demande ce qu'elle a comme team. Si elle a des Pokémon au-dessus du niveau 60, je suis mort. Si elle a une team au-dessus du niveau 60, c'est terminé pour moi. Pania veut se battre.
Noctalie. Noctalie. Le code d'honneur exige que nous donnions le maximum en combat. 62. 62, ça va être un peu tendu du cul, hein. On va pas se mentir. Oh, la vive griffe qui prop, qui proc instantanément. Qui prop. Aïe, ouais, ça va être compliqué. Yeet. Morsure, hein. C'est encore moins efficace. Coup critique en plus. Ouf. On se prend des trucs dans le cul. Bah oui, bien sûr, rate, hein. Tant que t'y es. Au point où on en est, hein. Au point où on en est, frérot. La vive griffe. Qui n'a pas proc une seule fois quand j'en avais besoin. Mais qui ne passe pas devant une vive attaque, bien sûr. Dommage. Alors, qu'est-ce qui combat un Noctalie? J'en sais rien du tout, moi. Le chat. Chat contre chat. Enfin, chat contre chien. Je sais pas ce que c'est. Câlinerie. Je sais plus. Je tente des trucs, on verra bien. L'attaque de le chat. C'est super efficace, mais ça fait pas non plus... C'est pas non plus incroyable, hein. Ah, ça le tue pas, putain, ça le tue pas. Ça le tue pas. Ah! Non! Ah! Elle a 6 Pokémon, hein. Elle a 6 Pokémon, hein. Noctalie est KO. Ouais, bon, c'est déjà ça. Un Philali. Oh, putain, j'aurais eu besoin de mon chien. Ah, ça y est, ça démarre mal. Ah, fait chier, hein. Putain, j'avais besoin du chien sur ça. Philali, ça me baisse tout. Philali, Lulila. Je vous promets que si je tourne la tête et qu'il y a quelqu'un qui me conseille un truc, ça part. Oh, salut Béné, ça va? Noctalie. Salut Banane69. Je peux te conseiller? Non. Je pense que le prochain backseat, ça va être un... Non, peut-être pas Bandef, non. Alors, le gros dragon face à Philali. Je te conseille de lui foutre la pêche, j'adore trop les Evoli. Moi aussi, j'adore. Allez, c'est pas grave. Vent violent dans ta mère. Le gros dragon. Il est trop beau, Philali. C'est bien. C'est très bien même. C'est très très bien même. Ok. Un Aquali. Ah, contre Aquali. Nous avons l'EDF. L'EDF. Go! Ok. Allez, étincelle. Elle a une team full Evoli, c'est incroyable. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Un Pyroli contre Pyroli, je vous conseille d'envoyer le Poissong. Le Poissong qui fait des attaques de l'eau pour éteindre le feu. Je pense que cette nouvelle feature qu'ils ont fait de mettre si les attaques sont super efficaces ou non dès que t'as déjà vu le je trouve que c'est du backseat. C'est du total backseat. Mais en soi, parfois ça aide bien, donc tranquille. Et c'est toujours plus agréable que le backseat du chat. Mais après, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas, bien sûr. Hydroqueue dans ta mer, ça dégage. Pyroli, hop. Oh, oh, Pyroli, hop. Ah.
Un Voltali. Contre Voltali, nous allons enfin, mais enfin pouvoir donner un intérêt à le dinosaure. Allez, le dinosaure. Ils dorment trop bien, les chats, alors que je suis hystérique, genre. Ou quand on se souvient pas de la table des types, c'est bien aussi. Moi, ma table des types, je l'ai un peu oubliée, hein, on va pas se mentir. Tempête de sable, en plus. Séisme, Regarde touchant, ça c'est chiant. Boum! Boum, les gens! Bim! Je vais terminer avec une mâchouille. En espérant qu'il ait pas un truc qui me paralyse quand je le touche. Non, je pense pas. Ok. Non, c'est bon. Ok, niveau 58 pour le... Ah, Nymphalie. Attendez, Nymphalie, c'est quoi déjà? Ah, c'est fée, putain de merde. Ah, j'ai oublié ce que c'était contre les fées. J'ai oublié la faiblesse du type fée. Faiblesse type fée. Ça, vous pouvez me le dire hein, dans le chat, les faiblesses de type, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange comme backseat, c'est de me dire comment... Enfin, que faire de mon let's play. Genre, va là-bas, fais ci, fais ça, ça casse les couilles. Type acier et poison. Acier et poisson. Alors, acier, j'ai R. Poison, j'ai R, donc c'est parfait. Donc vous savez quoi, on va rester sur le dinosaure. Tu es redoutable, pas étonnant que les boss de la team aient perdu contre toi. Oui, je sais, merci. Même si j'ai galéré ma race. Or, ce qui est bien, c'est qu'elle a pas de gros gamos. Ça m'aurait fait chier. Alors, lame de roc. Oh non. Oh non, non, il fallait que ce soit celui-là, putain. Évidemment, il fallait qu'elle cristallise le type fée, sinon c'est pas drôle. Ha. Ha. Tintintin, dalalalin. Ha, ça fait pas de dégâts. C'est pas grave. Par le pouvoir de l'évolution, on va te réduire en poussière d'étoile. Ok. Ok, ok. Oula. Ah, j'ai mal. J'espère que c'est son dernier Pokémon, hein. Seizumze. Ah, coup critique, putain, si proche de la victoire. Elle va m'envoyer une lune dans la gueule, comme Thanos. Ok, qui va lui mettre le coup final? J'espère que c'est son dernier Pokémon, hein, j'ai pas compté. Kiroli, Voltali, Aquali, Philali, Noctali et Nymphali. Ok, c'est bon, c'est le dernier. Comment je vais le terminer? Je vais envoyer le clutcher éternel, hein, le poisson. Bonjour, Sasnoblaz. Bienvenue. Bienvenue. Ok. Et ben, on va la terminer avec notre grosse queue dans la gueule. Comme tout a commencé. Boum! Ça va, je suis content. J'ai moins galéré contre elle que contre... contre le dernier maître, là. Ah. Il est content aussi, mon Léviator. Content. Ah, le Bouddha, trop la honte, hein. Wow. Tout est fini, maintenant. 15 000 $. 15 000 Poké-Dollars. Ça y est, mes amis. C'est fini. Allez, petit flashback. Tu connais. Je peux mettre un effet pour le flashback. Ah. Nous devons en finir. En finir? Tu veux dire dissoudre la Team Star? On est allé trop loin avec l'opération Star. La situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande d'harceleurs dans la cour. Mais en fin de compte, nous ne sommes même pas battus. Nous ne sommes, ta gueule. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre, dussent leur harcèlement perdurer. Notre victoire fut pacifique. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon, ils ont capitulé sur le champ.
Ils se sont excusés en pleurnichant à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues. Quelle bande de bébés! Mais après tout ça, tous ces élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craigne! Et je vais me charger de régler le problème. Hein? De quoi tu parles? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Bigobos, gang! Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi? Feur, je peux pas y retourner. Mais pourquoi, Ng? Tu n'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre, Ng? Pardonnez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulé. On ne s'est jamais vu IRL, et pourtant vous avez tous été si gentils avec moi. Langage de jeune. Big Boss, arrête de parler comme ça! On dirait que tu nous fais tes adieux! J'ai des choses à régler. Ne partez pas sans moi. Partez sans moi, plutôt, je vais vous dire. Pour éteindre quelle finalité? Hey, Big Boss, réponds-nous! Merci, les amis, et adieu. Quand elle parle dans son truc, elle a une voix différente. Nufle, Clove, merci. C'est dans la boîte, eux. Tout est fini, la Team Star, et moi aussi. Attendez, mademoiselle... Je veux dire, attends, j'ai des questions... Putain, je sais plus quel accent faire sur ce con. Quoi donc? Tu étais à la tête de la Team Star, alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement demander... Oui, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Pourquoi? Alors, j'ai proposé au boss de la dissoudre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss? C'était seulement une proposition. Notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Code d'honneur, c'est vrai que les boss le prenaient toujours très au sérieux. C'est pour ça que je m'en suis servi, pour les pousser à quitter la Team Star. Tu veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur? Oui, le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défiait. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends mieux maintenant. Cassiopée, j'ai une dernière question à te... Cassiopée, j'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui étaient-ils pour toi? Ils étaient... mon plus grand trésor. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. J'ai pas compris. Mais merci pour votre sincérité, mademoiselle Pagna. Hein? J'ai moi aussi des choses à vous dire. Je touche les enfants. Mais pourquoi? Vous pensez pas si bien dire? Je pense qu'il est maintenant grand temps de moi... Ah, on sait, putain, tu es chlamydia de merde. Monsieur le proviseur! Ah, elle est très conne aussi, hein. Clove était mon identité secrète, tout comme Cassiopée était la tienne. Mais pourquoi? Bah, Feur! Et pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'il se serait livré avec sincérité. Et vous vous êtes même déguisé? Mais pourquoi? Avoir choisi cette perruque moche? Ah, passons à un autre sujet, voulez-vous? J'ai fait venir quelques invités. Hein? Oh! Tous mes amis sont là! Ça fait un bye au Bigobos Ungu. Broms! Pourquoi je change de voix à chaque fois? Un bye, mais on ne l'a jamais vu en vrai. On connaissait même pas son blaze. Ah! Mélo! D'un visage caché, les traits enfin dévoilés, estimé Big Boss. Rio. Alors comme ça, ton vrai nom c'est Pagna? Comment ça va depuis tout ce temps? Oh, Tito! On se rencontre enfin, j'étais morte d'inquiétude pour toi! Nefli! Oh! Allez, tous ensemble, 3, 2, 1... Hasta la vista! Salut, aucun commentaire, ça va? On chill? Mademoiselle Pagna, ainsi que vous cinq,
En tant que représentant de l'Académie, j'aimerais m'adresser à la Team Star. Mes plus sincères excuses. Hein ? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves ? C'est indigne d'un proviseur de Dieu. Mais... Vos amis m'ont tout raconté. Je sais pour quelle raison la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une académie paisible, sans le moindre soupçon de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage, insufflé par votre tristesse et votre colère. Bref, j'ai pris une décision. L'ordre de dissolution de la Team Star, ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss, sont officiellement annulées. Mais alors, ça veut dire que... Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Pania, c'est génial, on peut rester tous ensemble. Oh, joie indicible. Mais je vous ai tous trahis. Tu parles de l'opération Stardust? Monsieur Chlamydia nous a tout raconté. On sait que t'as agi pour éviter que se fasse revoying. C'était juste ta gueule. Oh, et puis on n'allait pas tout quitter juste parce qu'on nous le demande. T'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer quelle fut ta peine de requérir une telle chose auprès de nous? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais merci quand même. Mais non, enfin, je veux dire quand même... Merde. Chier. Clap, clap. Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Oh, mon Axel. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Eh oh, des absences à justifier et prolonger, la dégradation de vos uniformes, bande de petits enculés, l'emprunt non autorisé du matériel de l'établissement, l'altération de vos Pokémontures, les courses sauvages, bordel de merde, et j'en passe. Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent des sanctions. Il est con, hein. En guise de punition, vous devrez accomplir des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général? Oui, vous serez responsable des CES. Des quoi? FEUR et des CES, les centres d'entraînement Star. Il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'Académie et la Ligue Pokémon. L'idée m'est venue en observant Monsieur Nuffle prendre d'assaut vos repères. J'ai été stupéfié par les méthodes de défense uniques et atypiques de la Team Star. Et vous continuerez donc vos activités, mais vos repères seront transformés en centre d'entraînement Star dont vous aurez la charge. Avez-vous des questions concernant ce que je viens de vous exposer? Non, au contraire, ça a l'air cool, et tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre qu'on te demande ça, mais Pania, joins-toi à nous. Fais-nous honneur de ta présence. Et viens à l'école avec nous, si tu as des ennuis, on sera là pour te protéger. On se disait justement que ce serait le top, je sais plus parler, faire un avessing. C'est carrément parfait. Alors, t'es partante? Les amis... Nuffle, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'en branle, je veux juste finir le jeu. Mais, c'est-à-dire que... Nul besoin de vous décider tout de suite, vous avez le temps d'y réfléchir, hein? À présent, il est temps de nous séparer. Mais n'ayez crainte, vous vous retrouverez bientôt sous la bannière de la Team Star. Monsieur Nuffle, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps? Je vous attendrai dans mon bureau, en slip. Et à préparer ses voix pour Dangan 2. Ah oui, Dangan 2, ça aussi, ça va être incroyable niveau voix. Hein. Je vais finir avec des mots de gorge, mon gars. Il est où, le proviseur en slip, là? Où voulez-vous aller? Dans son bureau. Bureau du proviseur, c'est ça. Ah! Petite sauvegarde avant. Ah, je peux pas, tant pis. Monsieur Nuffle, vous voici! Je souhaite vous remercier pour toute votre aide concernant l'affaire Team Star. Sans vous, j'aurais certainement infligé une sanction injuste à ces élèves. Merci du fond du cœur. Toc toc. Qui est-ce? C'est moi, Pania. Entrez, je vous prie, tu cherches ton inhalateur? Monsieur le proviseur. C'est à propos des CES, j'aimerais vraiment y participer avec les autres. C'est merveilleux! Je vous remercie pour toute votre bonne volonté. Mais je trouve que ma sanction n'est pas assez lourde. Pourquoi donc? Serait-ce à cause de l'opération Stardust? Non, c'est pas ça. J'ai fait autre chose dont je ne suis pas fier. De quoi parlez-vous? J'ai tué des élèves et je les ai mangés.
Les PL que j'ai donné en récompense pour l'opération, je les ai volés. J'ai piraté le système de la Ligue pour les obtenir. C'est de la fraude! Vous avez fait cela? Je vois. Encore pour les élèves, ça passe, mais voler des PL? J'ignorais qu'il était possible de pirater le système de la Ligue Pokémon. Oh, c'est vraiment un jeu d'enfant. Enfin, je veux dire, désolé. J'ai bien peur que cette affaire soit hors de ma juridiction. Je vais en discuter avec la présidente de la Ligue Pokémon, Madame Alisma. C'est compréhensible. Excusez-moi, Monsieur Nuffle, mais puis-je vous demander de sortir? J'ai des choses à faire. Sus. Il est sus. Ok. Où est-ce qu'on va? Hall d'entrée, je suppose, hein, on n'a plus rien à foutre. Bon, attendez, attendez. Je suis tout rouge. Ok. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un ectoplasma ici. Ou alors je l'ai vu et j'ai oublié. C'est ce qui est fort possible également. Mais quelle est la suite? Professeur Proviseur Chlamydia s'appelle. Motiti, Motiti. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Nuffle! Pania? J'ai quelque chose à te dire. Rejoins-moi là où on s'est rencontrés pour la première fois, devant les marches de l'école. Viens vite! Ah! Allez! Tête à tête avec Pania! Ah, c'est beau, hein, le jeu. Il est beau, hein. Ces personnages qui apparaissent au fur et à mesure que tu progresses. Et ça, c'est un atterrissage totalement maîtrisé. Ok. Pania, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, c'est beau, hein. Il pleut. Oh, l'effet mouillé sur les vêtements, c'est incroyable, par contre. Hasta la vista! Il faut arrêter avec ça, hein. Quand on a formé la Team Star, tous les 6, il fallait une phrase choc, et on a choisi celle-ci, malheureusement. C'est le genre de phrase tellement nulle qu'elle en devient cool. Ah, c'est assumé. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, du coup. Enfin bref, à propos des PL que j'ai piratés, je pensais le payer cher, mais en fait, ils m'ont pardonné. Et donc? Mais en échange, je dois travailler bénévolement en tant qu'ingénieur pour la Ligue Pokémon. On m'a même proposé un poste officiel dès que j'aurai mon diplôme. En tout cas, le proviseur et cette femme, Alisma, m'ont beaucoup complimenté. Ils ont dit que j'avais un talent exceptionnel. Genre... Désolé, c'est pas vraiment pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai du mal à dire ce genre de choses IRL, mais... Merci infiniment. Grâce à toi et mes amis de la Team Star, on a été épargnés. Ah non, non. Non, c'est pas grave. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour te montrer ma gratitude, donc je t'offre ça. Draco Météor, let's go! Ça va peut-être servir à quelque chose. Invoque des comètes. Ah, ça peut être cool pour le gros dragon. Je pense que ça pourra te servir. Et puis... J'ai une dette envers toi. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. Je m'y connais en technologie et en piratage. Oui, justement, on a besoin de toi pour aller dans la zone 0. Donc si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Oui, c'est... j'ai besoin. J'ai besoin, hein, mais... Ha. Sur ce, à bientôt. Enfin, je veux dire... Hasta la vista. T'as déjà participé à des cours de l'académie? Alors oui, j'en ai lancé un, j'ai regretté. Parce qu'en fait, c'est juste des tutos, quoi. Oh, on a fini l'objectif Stardust. Let's go. Très bien, très content. Il nous reste plus que la Ligue. Putain. Mais la Ligue... Je suis pas prêt pour la Ligue, hein. Je vais me faire casser, hein. Je vais me faire casser en 1000, je pense. Niveau 58 et tout. Il me faudrait des Pokémon niveau 70, je pense, peut-être. 10. Alors, ce qu'on va faire pour vérifier, c'est très simple. C'est qu'on va se diriger vers la Ligue, déjà, pour commencer. Qui se trouve là. Oui, ça se trouve là. On va se diriger vers la Ligue en sortant par... Hein, quoi? Comment tu fais pour y aller? Ah, tu passes par là. Ici. Ok. Je suppose que tu passes par là. Si je dis pas de bêtes. Tu écrases la dame sur le banc. C'est ici. C'est peut-être ici. Ah.
Ouais, c'est peut-être ici. Salut petit prout du 17, j'adore ce pseudo, bienvenue. Ça aurait été petit prout du 12, ça aurait été parfait. Il y a un mordu d'or. Ah oui, il y a un mordu d'or. J'ai entendu... Ok, très bien. Mordu d'or. Pokémon mordu d'or. C'est des niveaux combien ici? 9. Oh! Attends, mais j'ai pas ce truc là. Ah si, tout doudou, je l'ai. Ok. Ok, j'ai vu une étoile filante. Incroyable. Les souris, putain, quelle déception aussi dans ce let's play. La ligue Pokémon, il faut marquer le coup. Bah d'ailleurs, je vais marquer le coup en te tuant, là, tout de suite. En espérant que t'aies pas des trop gros niveaux. Quoique, ça me ferait pex, en vrai, j'ai besoin de pex. Maxime l'étudiant. Ok, niveau combien? Niveau 14, ouf. Bon, je suis désolé, hein, Miaouss. Le chien à la trouille. Non mais le chien. Hop là. Ah bah 12 points d'XP, c'est bien ça. Ah ça nous met bien hein. Je me souviendrai toujours de cette défaite. Oh tu peux hein. Ton Miaouss s'est fait écraser par un Arcanin niveau 56. Peu cher. On dirait moi quand je me suis trompé de zone. Ok. Ah, t'en veux aussi? Allez. J'aime offrir mon expérience des combats aux jeunes pleins d'avenir. Attends, on va voir qui a le plus d'expérience. Phileas, le chauffeur de taxi, veut se battre au lieu d'aller bosser. Tu peux nous montrer ta team? Ouais, je vais faire ça juste après le combat. Oh, j'aime bien ce Pokémon. On l'avait pas encore croisé, c'est fou ça. Croc horrible. Oh! Attends, mais t'imagines, tu lances le combat au début du jeu? Tu lances le combat au début du jeu en te disant « Ah bah celui que je viens de croiser, il est niveau 14, ça va ?» Boum ! Encore un petit coup. Et une tête de gars qui boulie les petits à la sortie de l'école. Ah, c'est le thème du jeu, hein. Au revoir, croc horrible. Très bon jeu de mots, encore une fois, hein. Tidou, tidou, tidou. 59 pour l'EDF. Un Archéodong. Archéodong, je peux garder le chien normalement. Parce qu'il me semble qu'Archéodong. Ah, c'est acier. Si je... Ah! Oh, j'ai mal! C'est acier si je dis pas de conneries. Oh. Dommage que Déflagration n'ait que 5 pp. Un pp né. Fort bien, putain. Quoi? Fort? Préscience, ça me dit un truc. Ah oui, c'est un truc sur la longueur. Qui fait très mal au bout d'un moment. Tu n'as pas de PP plus? Ouais, il faudrait que je regarde. Ça pourrait être très utile. Ah, la pluie, ça baisse l'attaque feu, ouais, bien vu. Niveau 57. Il va envoyer un Malvalam. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un Malvalam? Wouah! Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Feu spectre. Eh bien écoutez mes petits aventuriers, on va envoyer le poisseux. On va envoyer le poisson. Ah bah j'aurais pu montrer ma team là. Malvalam. Il a un flow ce Pokémon. Pour de la 9G, c'est incroyable. C'est indécent. Il est trop beau. Il est trop stylé. Trop stylé, ao. Hydro-queue dans ta mère. Eh bah, un flow, mais pas beaucoup de résistance. Hein, pour le coup. A bientôt, Malvalam. C'est bon, tu vas retourner bosser, chauffeur de taxi. Et le poisson qui monte de niveau. Ah ah, c'était un combat riche d'enseignement, pas vrai? Je pense à tous ceux qui ont attaqué ce mec en début de jeu. Ils ont dû avoir une surprise, mon gars.
Une bonne surprise, mon gars. Ok, bonjour, je viens soigner. Il y a un mordu d'or. Je l'ai entendu. J'ai entendu... Où es-tu, petit enculé? Il est sur le toit. Ou alors c'est lui que j'entends depuis tout à l'heure. Mais non, mais... J'ai même pas soigné mes Pokémon. Ah, oh, jeu de merde. Ah. Oh. Ah, j'ai pas montré ma team. Non, le niveau est pas... Le niveau ne scale pas avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de ce Pokémon? Pour moi, c'est le meilleur Pokémon qui s'est sorti depuis très très longtemps. Et c'est mon préféré actuellement. Voilà. Malgré, bien sûr, les graphismes dégueulasses. Et les bugs indécents. Ufle! Pourquoi ils ont tous un problème d'asthme dans ce jeu? Je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la Ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du rang maître. Mais moi, je voulais juste prendre un mordu d'or, je voulais pas faire ça. Tout se déroulera dans ce bâtiment. Ah, j'espère de tout mon cœur que tu réussiras cet ultime défi. Si tu y parviens, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Oh, les cheveux, mon gars. Ouais, j'ai eu quelques bugs sympas. Pas qui ont bloqué mon gameplay, mais... qui étaient assez marrants pour être soulignés. Ok, une pièce de... Enfin, deux pièces de mordu d'or, très bien. Ah, mais il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, il est peut-être sur le toit. Ah oui, il est sur le toit, je l'ai vu. Ok. Alors, je sais pas pourquoi je cours après les pièces de mordu d'or, en soi, je m'en fous. Ok. Très bien. Et ben voilà, on soigne les Pokémon, on entre dans la ligue. Et vu que j'arrête dans 20 minutes à peu près, je vais pas la lancer maintenant, hein, je vous le dis. On fera la ligue jeudi après-midi. J'ai eu très peu de bugs perso. Après la capture du jeu... Je sais pas en vrai si la capture fait plus de mal en vrai, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que la capture se fait pas via... Ah, je sais pas comment expliquer mais c'est pas pareil que pour la capturer un jeu PC quoi. C'est pas pareil. Bon. Juste pour rigoler. Souhaitez-vous tenter l'examen de maîtrise de la ligue ? Oui. Oui, Nuf de l'académie SFR. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais le regretter? Oula, oulala, oula. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir. Bien, asseyez-vous. C'est sympa. Je suis Cayenne, votre examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. On va commencer par l'épreuve orale. Ah oui, les badges, vous les avez les 8 Oui, oui, parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Attention, si vous répondez à côté, vous serez recalé. Alors on commence. Par quel moyen vous êtes venu ici? En Pokémonture? Mais comment je peux me tromper là-dessus? Intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre académie? L'académie SFR? Je note. Hein? Et pourquoi êtes-vous venu à la Ligue Pokémon aujourd'hui? Pour me faire péter le cul une bonne fois pour toutes. Je veux atteindre le rang maître. Oui, c'est évident. Pour quelle autre raison vous seriez venu? Bah je sais pas, c'est toi qui poses la question. Tu as une chaîne YouTube où il y a les rediffs de live? Oui, tu fais point d'exclamation VOD. Ça t'emmènera directement sur la chaîne. Et qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous aurez atteint le rang maître? Je veux trouver mon trésor. Ah oui, vraiment? Au fait, quelle arène vous a posé le plus de problèmes? Ah, c'est une bonne question. Je crois... En vrai, les arènes m'ont pas posé tant de problèmes. Ah si, il y en a une qui m'a cassé la gueule au début. Je crois que c'était à Quencia. Mais après, je m'en fous un peu, hein.
On va dire Quencia. Oh, d'accord. Et quel est le nom du champion ou de la championne de cette arène? Sale pute. Je crois que c'est Colza, hein, si je dis pas de bêtises. Si mes souvenirs sont bons, c'est Colza. Ouais, voilà, c'était ça. Je suis vraiment trop fort, hein. Ok, Google. Bravo, hein. Et vous vous souvenez du type que les Pokémon de Colza ont en commun? Oui, c'est le type plante, comme la plante Colza, connard de jeu. C'est ça, hein. Ah oui, j'ai eu peur. Magnifique! Pour arriver jusqu'ici, vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures. Et ça signifie que vous avez aussi rencontré plein de Pokémon. C'est quoi cet examen de merde? Mais est-ce que vous vous souvenez de la catégorie de votre premier Pokémon? Oh, Pokémon chat plante, putain. Me prenez pas pour une bille, enfin! Ah, c'est bien ça! Ah, c'est bien! Pardon, mais je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Vous pouvez me rappeler ce que vous comptez faire si vous atteignez le rang maître? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je trouvais mon trésor, bordel. Ah, ah oui, c'était ça. Ah. Maintenant, la dernière question. Ça va? Est-ce que vous aimez les Pokémon? Non, je les déteste, bien sûr. Eh, con. Oui, oui. Ah, c'est dur. Il est malin, le con. Oh, ça y est, je peux souffler et reparler normalement. Mais attends, mais what the fuck? L'oral est enfin bouclé. GG. Et vu tes résultats, on peut dire que t'as assuré. T'as réussi la première épreuve de l'examen. Ouais! Du premier coup, en plus. Je crois que c'est pas arrivé depuis Menzi. Si vous voyez défiler une armée de débiles. Bon, maintenant, faut passer à la suite. Pour ta deuxième épreuve, tu dois battre les membres du conseil. Non, non, pas maintenant. Non, je suis pas prêt. C'est ce qu'on appelle l'épreuve pratique. Oui, non, pas maintenant, arrête. Ouais, le nom vend pas du rêve, je te l'accorde. Non, non, mais... En gros, tu vas affronter les quatre dresseurs du conseil à la suite. Mais je te préviens, ça va pas être de la tarte. Prépare-toi bien. Quand tu le sens, va dans la pièce du fond. Non! Laissez-moi partir! Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Quoi? Non! Non, 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 non! Je voulais pas faire la... J'ai pas le niveau pour la ligue. Putain de jeu. Ah. Recherche ta sauvegarde. Ah non mais c'est bon. Au pire je perds, hein. Ça va pas me faire un deuxième trou de balle. Enfin j'espère. Salut. Ah c'est elle la première. On s'y met. C'est moi qui ouvre les hostilités. Tu sais, en fait, je t'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Ouais, je sais, ouais. Cayenne veut se battre. Quoi ? Ça commence avec un Pokémon... On va enfin se battre, t'as intérêt à te montrer à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, j'ai pas le niveau. Ah ! Niveau 57 ? Ouais, mais 4 à la suite, ça va pas le faire. Déjà, je commence avec le pire Pokémon possible. Ça va pas le faire. Je commence avec le pire. Je commence avec un Pokémon feu, elle balance un Pokémon eau. J'en peux plus. Ah, ça va être vite fait cette ligue là, je vous le dis, hein. Je vais me faire ouvrir l'anus. Comme rarement.
On va y aller, hein. Alors, il me semble que cette saloperie est eau électrique, non? Si je dis pas de bête. Eau élec? Je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié. Eau élec. Il est au sol? Ah, c'est un jeu de mots, c'est trop drôle. Je sais plus. Je sais plus. On va envoyer le gros dragon, hein. Nique sa mère, hein, au bout d'un moment. Nique sa mère, le gros dragon. Je pense que vent violent, ça peut lui faire mal. Si je dis pas de bêtes. Oui. On va voir. Non, mais au bout d'un moment, si l'univers a envie de m'enculer, il peut le faire tout de suite, hein. Pas besoin d'attendre la ligue, hein. Ah, Blizzard. Ok, très bien, parfait. Oh, je vais remettre un vent violent. On va remettre un vent violent, let's go. Histoire d'être sûr qu'il se relève pas, le truc. Bien. Il envoie un donphan. Donphan, qui est du coup de type, je ne sais plus. Il me semble que c'est sol ou connerie comme ça. Non? Ouais, sol, c'est sol. Alors, Donphan est un Pokémon sol. Je pense que contre le Pokémon sol, ce qui est fort... Je sais plus ce qui est, si c'est plus fort la plante ou l'eau contre le sol. Le sol. Oh, on va balancer le chat. Ah, j'aurais peut-être dû... Non, j'aurais dû envoyer Léviator, je suis con. Parce que vu que Léviator, il évite... Ouais, vu que Léviator l'évite, il peut être insensible aux attaques sol, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est pas grave, hein. On n'est pas là pour gagner, hein. On est là pour subir. On est là pour subir jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc bon. Bing, 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 bing. Dommage. Oui, bah vas-y, empoisonne-moi. Hein. C'est un Pokémon sol qui lance des attaques poison. C'est nouveau, ça vient de sortir. Prochain Pokémon. Kamepute. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou, je me souviens plus de mes Pokémon, hein. Ah oui, c'est lui. Feu sol. Feu sol. On va envoyer notre ami le poisson. Stylé est ton Pokémon. Il est joli. Il est joli. J'aime bien son modèle à lui, il est marrant. Feu sol. Hydro-queue dans ta grand-mère. Très bien, ça c'est très bien, ça se passe très bien. De ce côté-là, rien à dire. Ce qui est bien, c'est que ça me fait XP. Trio Picker, je pense que je peux garder Léviator. T'inquiète, les blagues nulles, c'est ici que ça se passe. Hein. Petit pique-nique dans la salle, ah c'est pas con. Hydro-queue ! Queue ! Tempête de sable, ok. Boum! Dans la triple bite. On peut arrêter le combat, s'il vous plaît. 60 pour le chat. Le dinosaure veut apprendre Giga Impact. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que mes alliés sur LoL n'ont jamais. Le lanceur charge la cible de toutes ses forces et doit ensuite se reposer. À la place d'antillère, peut-être. Ça peut servir un jour, peut-être. Sait-on jamais. Il va envoyer un terrestre. Ah, je vois totalement ce que c'est. Ça m'intéresse. Poison sol. Poison sol. On va garder le Giga Chat de Léviator. Ah ah, t'assures, mec, je kiffe ton style. Ta gueule. Lance ton truc, là. Déjà, je fais la... Je suis en train de faire la ligue alors que je le voulais pas, de base. Oh, il est trop mignon, par contre. Je veux le même. On va vous aplatir. Oh non, fais pas ça. Attendez, mais... Terrestre. Meilleur tank du jeu et peut-être de la série. Ah ouais. Oh. Oh, ouais. Oh, il a un petit champignon de Mario sur la tête. Trop mignon. C'est un chapeau de Thibaut.
C'est le chapeau de Timo ou je m'y connais pas, hein. Hydro-queue ! Mais pourquoi il se protège, ce petit enculé ? Est-ce qu'il veut me tuer avec la... Non mais... Attendez, mais il se... Absorbo ! Oh, le bâtard ! Oh non, le chien de la casse ! Oh, il a un truc absorbo, vraiment, mais vraiment... Mâchouille ? Mais si c'est un tank, je vais rien lui mâchouiller du tout. Je vais pas le mâchouiller du tout, je crois. Hein. Si c'est encore un Pokémon qui spam abri, ça va être casse-couille, chers amis. Ah. Bon, Léviator, on va se faire grignoter par la tempête de sable. Youpi. Oh, les gros dégâts, hein. Allez, bonne année. Allez, bonne année. La tempête se calme, ça c'est déjà bien. Je pense qu'on va le massacrer à coups de mâchouille, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, encore deux mâchouilles et c'est finito. Après, je sais pas si... Arrête de faire ça, tu es cringe. Vous savez, je crois qu'avec une mâchouille supplémentaire, je le tue pas. Il me semble qu'avec une mâchouille supplémentaire, je ne le tue même pas, en fait. Et vas-y, il empoisonne, et il se protège, et il empoisonne. Je connais cette technique de singe. Et voilà, c'était sûr. Heureusement que je lis pas le chat, sinon j'aurais été spoil du talent. Et ça m'aurait enlevé la réaction. Ok, c'est bon, c'est fait. Bon. Premier dresseur de la ligue, ça passe, on va dire. La difficulté, c'est d'enchaîner les quatre, en fait. Vous avez battu la Porsche Cayenne. Qui est un peu deg. Pas mal, j'avoue. Ah. Terrible désillusion, j'avais aucune chance de gagner. Mais en vrai, j'ai bien kiffé le combat. Ouais, j'ai bien kiffé aussi, ouais. Je te préviens, il n'y en a pas beaucoup des dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique. Mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver. Ta prochaine adversaire sera encore plus forte, alors t'as intérêt à t'accrocher. Laisse-moi le temps de me soigner. C'est à toi de jouer. J'arrive ! Oh non, pas Poppy. Non, non. J'arrive ! Ah ! Oh, Cayenne, t'as perdu ! Eh ouais, je te préviens, il se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder. T'as intérêt à me venger ? C'est comme si c'était fait. Soigne-toi. Soignez, bordel de merde, soignez. Sac. Ok. Allez, le chien, tu reviens. Putain, c'est tellement chaud de partir à l'aveuglette comme ça. Sans savoir quel Pokémon elle va m'envoyer dans le fiac. Mais pour le coup, ça, j'ai pas envie de me spoil. J'ai pas du tout envie de tricher là-dessus. Le poisson récupère pas assez de PV, j'en ai marre. Le poisson est même pas à fond. Super potion. Voilà. Il me faut un antidote pour le poisson. Je me souviens, à l'époque, dans les premières versions, quand ton Pokémon il était empoisonné entre les combats et quand tu marchais, ça faisait... Et puis d'un coup, t'avais l'annonce. Ton Pokémon est mort, frérot. Ton Pokémon n'a pas tenu. Ok. Petite sauvegarde qui m'est bien. Deux secondes, j'envoie un message. Parce que je pense que le stream va durer un peu plus longtemps que prévu. Vu que maintenant je suis lancé, bah ouais. Souhaitez-vous affronter Poppy? Bah ouais. Tentons, hein. Tentons. Envoie ton message. Non mais j'ai pas... j'ai vraiment envoyé un message. Ok. C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Parce que mes Pokémon, ils sont super forts d'abord. Et tes attaques,
Eh ben, ils leur feront pas un seul bobo. Bon, allez, je vais te les présenter. Brrri. Sbre. Poppy du Conseil 4 veut se battre. Oh, c'est quoi ça? Un Pachi? Pachia? Vas-y, mon Pachi, montre-lui tes grosses couilles de plus près. Oulala là là. Ça parle mal? Pachia, diadra, jaja. Pokémon acier. C'est parfait. Pokémon acier, c'est parfait. C'est pile avec ça qu'il fallait commencer. Oh oui, c'est parfait. Oh merci, putain. Archéodong, c'est parfait, je garde. Dong. Archéodong. Allez, ça bouge. Oh non, il est pas mort. Oh non, pitié. Ah, il me counter. Il me counter. Shit. Trop feu. Ok. 2 sur 6. À l'XP du chien qui va stonks très fort, ouais. Un Corvaillus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Corvaillus. Est-ce que ce serait pas le... l'évolution de Cornèbre? Ah si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'évolution de Bleuzeil. Vol acier. Alors Poppy, en fait, c'est Pokémon acier, d'après ce que j'ai compris. Corvaillus, ça augmente la pression, hein. Oh oui, mais c'est super. Oh, bon, c'est pas grave si je meurs. Au moins, lui, c'est fini. Il s'est tué tout seul en plus. Un magnézone. Ouais. Ouais, on va changer. On va changer. On va envoyer ça. On va envoyer le dinosaure et je vais soigner le chien. Le chien. Putain, et le stream va être plus long que prévu. Et ce soir à 20h30, je reprends quoi. Quelle journée de stream en sac. Gros sac. Potion max. Je balance une potion max sur le chien. Comme ça, si le dinosaure se fait péter, je renvoie le chien direct. Mur lumière. Ok. Séisme, ça passera pas parce que il vole, il me semble. Lame de roc, c'est le meilleur truc à faire, je pense. Si je rate pas, bien sûr. Lumino canon. Waouh. Wow. Ah, je fais pas tant de dégâts que ça en fait. Oh. Ouf, tout ce que je peux faire c'est préparer le terrain pour le chien. Oh, Giga Impact, tiens, juste pour voir ce que ça fait. Ah bah, petit flop, mais tranquille. Ça tank Magnézone après. Hein. Ok, le dinosaure ça bouge. C'est pas grave, on renvoie le chien. Ça va les chats? Le chien. Fais-moi honneur frérot, fais-moi honneur. En avant le chien. J'ose tenter un croc de feu en vrai? Bien sûr que j'ose. Bien sûr, putain de merde, dédé. Il nous reste quoi? Il nous reste le truc qui va être terra cristallisé. Et peut-être d'autres trucs. Niveau 60 pour le poisson et le DF. Le DF veut apprendre double décharge. Quelle est-ce? Le lanceur libère toute l'électricité contenue dans son corps. Le lanceur perd le type électrique. Ah ouais. C'est pas mal en vrai. Mais s'il perd le type électrique, il est type quoi après? Ah, il est type combat. Il devient que type combat.
Allez, je suis un joueur, moi. Ah non, 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 je suis pas un joueur du tout. Il y a que 5 PP dessus. Oh, allez, tant pis, la cage est claire. Allez, on n'est pas là pour être stratégique, on est là pour taper. Voilà, très bien. Alors, quelle est la suite des opérations? Un Forgelina. Oh, Forgelina, c'est quoi? C'est acier fait? Acier fait? Si je dis pas de bêtes. Acier fait, je suis sûr. Acier fait. On va garder le chien. Et je pense que c'est la Forgelina qui va être terra cristallisée. Mon dernier Pokémon, il va gagner tout seul. Ouais, sûrement. Hein. Ah. Déflagration. Cra, montre-lui que c'est toi la plus jolie. Elle va me la terra cristalliser sa mère. Aïe, 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 aïe. Si avec 5 Pokémon, j'arrive pas à tuer un Pokémon, c'est qu'il y a un souci. Hein. Ok, ça va, je prends. Oh, l'âme de roc, ça va me casser la gueule. Oh, le chien évite. Oh, le clutcher de l'infini. Incroyable, le chien. Oh, et la vive griffe qui proc. Mais mon dieu. Oh, ça s'est tellement bien passé. Ouh là là, Lilou. Oh, oh, pour une fois, l'univers est avec moi. Mon dieu. Ok, la loli, ça dégage. La loli, ça bouge. Ah. Je voulais laver le front qu'il t'a fait, mais... Laver le front? L'affront? En plus, t'es conne? Je voulais laver le front qu'il t'a fait, j'ai pas réussi! Tu veux pas plutôt dire laver l'affront qu'il m'a fait? Mon front est propre, tu sais. Bref, t'as pas perdu, ça arrive. T'as perdu, oui, t'es nul. Maintenant, faut que t'appelles le prochain dresseur. Ah oui, c'est vrai, désolé. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas perdu que j'ai oublié. Youhou, monsieur, c'est à vous! Qui c'est? What the fuck, c'est le mec en total burn-out? C'est le mec qui est en burn-out? Mais qu'est-ce qui branle là? Bonjour, je suis Okuba. D'accord, tout ça pour ça. Ok. Alors, il y a des choses très importantes à retenir quand tu fais la ligue. Les PP. Faire attention à tes PP, frérot. Parce que moi, j'ai plus de PP dans Déflagration, par exemple. Et ça va me foutre dans la merde. Alors, ce qui va se passer. Une hyper potion sur le dinosaure. Ensuite, il faut que j'aille voir mes PP. C'est où les PP? C'est l'huile, c'est ça? Restore 10 PP. J'ai pas un truc qui augmente les PP? Ou une PP née? Je sais plus. Je sais plus. Et si j'en ai un, je sais même pas où ça se trouve. Si ça doit être là. Non? J'ai pas un truc qui augmente le nombre maximum de PP? Ça aurait été bien. Malheureusement. Restore tous les PP. Ok. Alors, de l'huile. Restore 10 PP de toutes les capacités. On va utiliser l'élixir sur notre chien. Voilà. PP plus. Ouais, j'ai pas. Je n'ai pas de PP plus, malheureusement. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a un Pokémon qui est en galère en termes de PP né? 5-5, oh, ça, ok. 10, 10, 8, 10, c'est bon. 4, 5, 3, 5, oui. Machouille, 9 sur 15, 6 sur 10 pour l'hydroqueue. Bon. À la limite, je pourrais récupérer un peu d'hydroqueue. Parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Ça va. Ça va le faire. Enfin, ça va le faire. On va essayer. On va faire en sorte que ça le fasse, quoi, je veux dire. J'ai tous mes Pokémon niveau 60, sauf le chien, qui pourtant a fait. Un fight incroyable. C'est reparti, hein. C'est reparti. Okuba.
Alors, je sais pas ce que tu as comme Pokémon, mais ça fait peur. Je me souviens même plus. Tiens, c'est toi ? Bah oui, on s'est croisés. Comme tu peux le voir, j'assure la permanence au Conseil 4, même si oh, je m'en passerai bien. Dans mon arène, au moins, je peux utiliser mes Pokémon de type normal. Bah, c'est un type qui me ressemble, t'as dû le remarquer. Mais ici, la hiérarchie m'oblige à me spécialiser dans un type différent. Donc si ça te plaît pas, fais-moi plaisir et va te plaindre auprès de la chef. Ouf. Bon, c'est pas tout, mais je dois me mettre au travail. Les RTT, ça se mérite. Après, j'irai prendre un petit antidépresseur. Ah, Okuba veut se battre. Ok. Qu'est-ce que t'as comme type, frérot ? Ah. Ok. Je suis maintenant manager d'une équipe de type vol. Tropius. Mais Tropius, il a aussi plante ? Si je dis pas de conneries. Tropius ? Ouais, plante vol, c'est bien ce que je pensais. Ok. Déflagration, comme d'habitude. Oh, la vive griffe qui proc. Dommage que ça le one-shot pas. Zénith ? Mais, Zénith, ça... Mais... Vitesse extrême pour être sûr de pas le laisser taper. Et c'est bon, ça passe. Ok. Ensuite... Un Étouraptor. Étouraptor, je devrais pouvoir le combattre avec l'EDF. Si tout se passe bien. Je me demande si l'EDF... L'EDF, il faut pas que j'utilise mon truc pour... L'attaque baisse. Ouais, sauf que... Ah oui, c'est de l'attaque tout ça. Bon. Étouraptor, est-ce que... Parce que double décharge, en fait, ça a l'air fort, mais je vais perdre mon type... Je vais perdre mon type après ça. Je pense pas qu'avec étincelle, je lui fasse si mal que ça. Je vais prendre le risque. Je sais pas si je perds mon type tout le long du combat, si j'enlève le Pokémon, en fait. Ouais, comme tu dis. Pas prendre de risque, hein. Pas prendre de risque pour l'instant, hein. En deux coups, ça devrait le faire. Rapace. Ouah, les dégâts. Les dégâts, mon pote. Ho ho ho. Un Altaria. On va tenter. On va tenter avec une double décharge cette fois. Ah bon ? Attendez. Parce que Altaria ? Oh, EDF qui tombe au combat. Altaria ? Qu'est-ce qui va pas, Altaria ? Dragon vol ? Oh, dragon vol. C'est ton type dragon qui me fait chier en fait. Envoyons le dragon, le gros dragon. On va voir avec le gros dragon comment ça se passe. Oh putain, la dracocharge, c'est vrai qu'il la rate tout le temps. Pitié, la rate pas cette fois. Ah le bâtard. Rate pas ta dracocharge, pitié. Oh oui, merci. Oh, let's go. Bon. Ça, ça va. Ensuite... Un Plumeline, c'est quoi ça? J'ai peur. Plumeline. Mais comment j'ai fait pour ne plus me souvenir de tous mes Pokémon? J'ai pas assez révisé les dernières générations, hein. Plumeline, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a plusieurs styles. Électrique, spectre, psy ou feu. Ah, ça, ça pue de la schneck. Bon. Je change pas, juste pour voir ce que c'est quoi du coup. C'est laquelle celle-là? Électrique? C'est l'électrique je pense. Ah c'est le type électrique, électrique vol, waouh la salope. La salope.
Electric Vol donc, hein, c'est ça l'histoire. Je vais faire combattre le gros dragon et j'enverrai le dinosaure après, je pense. Ouais, je pense que j'enverrai le dinosaure après. Là, je vais lui mettre une dracocharge si je peux, si ça touche. Cravant glace. Petit malin, va. Petite futée. Petite futée. Le dinosaure. Essaye de faire quelque chose, frérot, parce que là, c'est tendu. Tempête de sable, ok. La lame de roc pourrait servir à quelque chose. Waouh, ça rend confus. Oh putain. Ralala. S'il te plaît, me fais pas ça le jeu. Oh oui. Oh, let's go. Ok, bon, c'est bon. Double type, ça fait mal, hein. Oh, niveau 61 pour le chat. Flamant roule, c'est quoi cette merde? Ah oui, flamant roule, c'est le flamant rose pourri là. Et flamant roule. Et du coup, normalement, devrait être son dernier Pokémon si tout se passe bien. C'est du vol combat. Et vol combat. Je pense que je peux laisser le dinosaure. Tu ne serais pas devenu encore plus fort qu'avant, c'est bien ma veine. Bah, toi aussi. Hein. Toi aussi, frérot, hein. Et il va me terra-cristalliser ce truc du coup. Il va me le terra-cristalliser, hein, je le sais, je le sens. Lame de roc, et on va voir. Il est grandement temps que le vent tourne, même s'il risque de me décoiffer. Petit jeu de mots en rapport avec le vent. Ouais. Le close combat qui m'a one shot, frérot. Je comprends pas, il le terra cristallise en vol, mais il m'envoie une attaque combat. Je ne comprends pas. Ok. Alors là, ça va être tendu par contre. Là, ça va être beaucoup plus tendu que prévu. Parce que là, le combat, c'est pas fou. Le type vol va me casser la gueule. Le type combat va me casser la gueule. Et là, le type vol va me casser la gueule. Ah. Voilà, au vol, ouais, remarque. Remarque. Ouais. Voyons voir. L'attaque du flamant roule ne baisse pas, très bien. Machouille, est-ce que ça lui enlève beaucoup? Oh, merci le coup critique, putain. Il est de mon devoir d'adulte de te demander de prendre en garde ma prochaine attaque. Ah bon? Ah, ça va être une attaque d'air qui va me péter la gueule. Ouais, c'est ça. Oh, c'est tendu pour ma gueule. C'est un peu tendu pour ma gueule. Oh! Mais avec une machouille, je le termine là. Bien sûr, je te termine. Gros chien. Ok, c'est bon. Ah. Parfait. Voilà. Ok. On en a battu 3 sur 4. Hein. C'est chaud. C'est chaud! Je dois dire que tu n'as pas volé ta victoire contre mes Pokémon Oazo. Ouais bah non, c'était un peu plus tendu que les dernières là. Bon, j'étais mal jugé, je comprends l'intérêt que te porte notre chef. Alors, il te reste plus qu'un adversaire à affronter. Asa, je vous en prie, il est à vous. Tiens, il vient pas. Je crois qu'il vous a pas entendu. Ah ça, s'il vous plaît. Oh bah, faut monter un peu le volume. Ah ça. Ah ça, c'est à vous.
Oh non, pas lui, il est glauque, il fait peur. En plus, il a une démarche, on dirait qu'il a un truc immense dans le cul. Nufle, je suis ravi de vous voir ici. Okuba, combien de fois devrais-je le répéter? C'est à vous de m'appeler, pas à Cayenne. Ah, ce chien. Oh mon dieu, oh mon dieu, mais quelle est sa spécialité à ce mec? Les pâtes au pesto. Ok, rappel. On ramène tout le monde. Revenez tous dans la bagarre là, parce que sinon ça va être chaud. Imaginez si la ligue, c'était enchaîner les adversaires, mais sans soigner ses Pokémon entre deux. Ça, ce serait... Ça, ce serait ouf. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Hop. Ok. Non. Lui, il faut une potion max, apparemment. Parce qu'il y a trop de vie, ce bonhomme. Ok. Laissez-moi regarder vite fait les pépés. Parce que je pense que les pépés, on a des petits soucis. Genre là, il me manque une déflagration. Mais je pourrais peut-être survivre sans. Là, l'âme de roc, il faut que je leur mette. Machouille, pareil. Machouille et l'âme de roc. Alors, de l'huile. Où est l'huile? Elle est là, l'huile. Wouf, ça mange pas de pain de lui remettre une petite déflagration dans le fiac. Vu que j'en ai 25. Lui, un peu plus de lame de roc. Très bien. Et pour notre ami Léviator, ce serait bien de lui rendre un peu de ses machouilles. Voilà. On sauvegarde. On sauvegarde et on tente le quatrième champion de la ligue. Quatrième maître de la ligue. Ah, il y a certains fans games sans heal entre les combats de la ligue. C'est l'enfer. Ah oui, je comprends, oui. Je veux bien te croire. Désolé, je reçois des offres pour une pizza gratuite et du coup j'ai un peu bugué. Mais c'est pas bien, il faut pas manger ça. C'est caca. Souhaitez-vous affronter Asa? Oui. Même si je n'ai aucune idée de ce qu'il gère comme type. J'étais certain qu'un jour ou l'autre vous finirez par arriver par... Je veux dire que la croissance fulgurante des jeunes pousses ne cesse de m'impressionner. Mais je vous avoue que je ne pensais pas vous revoir aussi rapidement. Un enseignant se doit de guider ses élèves au mieux pour les aider à progresser. Cependant, il me faut oublier ce rôle le temps de notre affrontement. Oui, allez, vas-y. Car il est de mon devoir de tout faire pour vous vaincre. Allez, je veux savoir ce que c'est des types là. La puissance du dernier rempart. Ah, le dragon, putain. Oh, les dragons. Oh non, j'ai pas de Pokémon glace. Oh non. Les dragons qui ont une résistance à tous les types, sa mère. Sauf glace et dragon en fait. Je vais devoir jouer sur les doubles types, hein. Bruit verne. Oh. Faudra faire de votre mieux, ouais. Vol dragon. Alors là, mon gars. Alors là. Déjà, je démarre pas avec le bon Pokémon, hein. Wow. Dommage que ça le brûle pas. Est-ce que la vive griffe va faire son œuvre? Dommage. Oh! Non, rate pas! Je te déteste. Vive griffe. Oh, je te déteste, le chien. Comment tu peux faire un si bon combat? Il y a deux combats en arrière. Et là, me trahir comme ça. T'as pas un type fée? Non. Enfin, j'ai une attaque fée avec le chat. Le chat machine. Allons-y. Le dinosaure. Je vais jouer sur le fait qu'il soit de type vol. Pour essayer de lui mettre une lame roc qui va lui faire mal si possible. Le problème c'est que Bruvern a beaucoup de vitesse. Je n'ai pas beaucoup de vitesse. Si tu tankes pas ça, frérot. Ok, ça c'est bon. J'ai bien fait. Un Cravarèche. Oh mon dieu de merde que c'est un dieu de cul. Cravarèche. Quel est ton type? Ah oui putain c'est lui, poison dragon. Oh
C'est quoi la faiblesse du type poison? Poison, faiblesse. Quelle est la faiblesse des poisons? Kravarek, le H est muet. Ouais, c'est Kravarek. Faible face au type psy-sol. Alors le problème, c'est que là, le séisme va pas fonctionner. Je crois qu'il vole, non, ce truc là. Ah non, c'est bon. Ah oui. Ah par contre là, je suis mort. Hein. Ah non. Ah la tempête de sable qui fait son œuvre. Un autre séisme dans sa schneck. Parfait. Ok, Kravarek. Enfin, Kravarek, ça dégage. Niveau 60 pour un tranchodon. Eh, moi aussi j'en avais un, je l'ai remplacé. Parce qu'il tankait rien. Et je suppose que celui-là, il va tanker ses grands morts. Bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, hein. Ah, c'est que dragon tranchodon. Bah, vu que j'ai plus beaucoup de vie, je vais le laisser. Je vais essayer de mettre un petit coup. Un petit coup avec mon brise-moule. Ah, le briseur de moule, on l'appelle. Et je vais essayer de mettre un giga impact avant de partir. Mais je sais pas, je crois qu'il a plus de vitesse. Ah, il a plus de vitesse. Plus de vitesse, c'est mort. Le problème, c'est que là, j'aimerais bien envoyer mon ami le gros dragon, justement. Mais le gros dragon, il faut pas qu'il rate sa dracocharge. Sinon, c'est mort, en fait. Merci pour la faiblesse du type poison, c'est gentil. Dracocharge. Ah, il m'a one-shot, le bâtard. Ok. Ok, frérot, ok. On va voir ce qu'on peut mettre. Je pense que le poisson peut être utile. Le poisson, ça va être chaud, hein. Ah, le tranchodon, il est dur. Tranchodon, il est dur. Il est niveau 60 comme moi, hein, pourtant. Piétisol, mania. Piétisol, peut-être. Ah, il a tellement de capacité pour me counter, ce chien. Ah, ça fait pas de dégâts. Ok, une mâchouille, peut-être. Putain, mon tranchodon, il était en papier mâché. Ok, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Il rate. Bien sûr qu'il rate. Ah, c'est la phase de tir aux putes. Dommage que ça le tue pas, par contre. Ah, j'aurais bien aimé un coup critique sur la mâchouille. Dracolos, la fraude. Mais Dracolos, j'en peux plus. J'aurais jamais dû accepter de prendre ce truc de merde. J'aurais dû garder mon tranchodon. Ok, niveau 61 pour le giga Chad. Pomme drapi. Oh non, pas ça. Non. Il me semble que pomme drapi, il est immonde. Il tank trop. Plante dragon. Oh, le chien. Le chien. Non, le chien est mort. Merde. Ok. Bon. Alors. Ok. Ça va le faire. Te fais pas one shot, s'il te plaît. La vampigraine, ça va très bien. Hakun Kogo, merci pour les 27 mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Merci. Salut à toi. On s'éclate la schneck. Ok. Il m'a tué le poisson avec un crit, c'est pas grave. Là, tout ce que je veux, c'est que mon chien se fasse pas... Il faut pas que le chien se fasse one shot, en fait. C'est tout ce que je demande. Et si la vive griffe peut proc, c'est parfait. Mais la vive griffe, elle m'a int. C'est bien. Vampigraine, ok, cool. Ça lui fait perdre un tour. Est-ce que je peux le finir avec un croc-feu? Ah, ce sera une déflagration. Ce sera une déflagration. Ok, lui, c'est fini. Mais qui est le dernier Pokémon?
Niveau 61. Un glaive au dos. C'est quoi ça? Glaive au dos? Hein? Dragon glace? Dragon glace? La réussite est à portée de main, courage, continuez comme ça. Ouais, mais non! Je te balance tout dans le fiac. En espérant que ça fonctionne. En espérant que ça fonctionne. L'ambiance est tendue, c'est un Eastwood. Ô dragon, que ce joyau Terra Crystal devienne ta couronne, symbole de ta majesté. Arrête! Ça, c'est un mec malveillant. Ça se voit, il veut ma mort. Oh, jolie couronne. Ah, en vrai, la Terra Crystallisation dragon est pas dégueu. Hein. Les couleurs sont toujours un peu spéciales, mais bon. Tranquille. Allez, pitié. Mais il est type glace! J'aurais dû lui faire si mal! Oh non, ma vie est nulle. Déploie toute ta grandiose puissance. Fais pas ça! Fais pas ça! Non, fais pas ça! Wouah, il me l'a one shot! Il me l'a one shot! Ouh, le dragon, c'est quelque chose, hein. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Câlinerie peut être utile. Le problème, c'est que la glace, ça va me défoncer. Ah oh, oui, merci, putain. Ah oui. Ah. Dommage pour la Terra Cristallisation qui a servi à rien. Oh dragon, oh non. Ah. Oui, exactement, Irelia. Sérieux, j'y crois pas. Il l'a fait. Et ben ça alors. Oh, c'est cool, j'ai plus d'antidépresseurs. C'est si merveilleux. Je suis tellement ému. Oh bah monsieur ça, vous êtes cringe, faut pas pleurer. Allez, c'est pas grave. Cette honte, fais pas attention à lui, Nufle. Ça lui arrive parfois de craquer. C'est l'émotion, vous comprenez. Je peux pas retenir mes larmes. Cringe. Oh là là, bon, si j'ai bien compris, c'est à moi de t'annoncer le résultat de l'examen. GG, tu dois t'en douter, mais t'as réussi. Youpi, c'est super, trop super. Oui. Toutes mes félicitations. Assuré. Par contre, l'examen de maîtrise, il est pas encore fini. Il te reste encore l'ultime... Non, non. Tu vois la porte au fond? Non. Derrière, il y a le boss final du conseil des quatre. Non, la dernière examinatrice. Non, non. Fais gaffe, elle est super balèze. Aucun de nous quatre lui arrive à la cheville. Non. On s'en est rendu compte quand elle a testé nos skills avant de nous recruter. Mais bon, t'as réussi à me battre, donc je suis sûr que tu vas gagner. À l'aise? Non. En plus, je te donne un petit coup de pouce. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Non. Oh non. Eh ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup des Pokémon. Alors, je vais t'encourager de toutes mes forces. Ouais. Bonne chance. Oh, dragon bien-né, la valeur n'attend point le nombre des années. Oh, il m'a fichu les jetons, ce con. Ça y est, il a fini de chouiner. Je suis certain que vous allez y arriver. Non. Partez maintenant, suivez votre destinée. Qu'importe votre taille ou votre âge, la victoire est à votre portée. Non, 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 non. Non, non, non. Par contre, elle est gentille de m'avoir soigné mes Pokémon, mais est-ce qu'ils ont tous leurs PP, hein? Et leurs PP, ils sont où les PP? Ah, ils ont tous leurs pépés, ça c'est bien. Bon, les potes, on fait quoi? On y va? Non, oh, on y va. Allez.
Attends. Je re-sauvegarde juste devant la porte. Oui. Mais je stream dans 2h30, qu'est-ce que je fous ici encore, moi, là ? J'ai pas stream, hein. Je crois, hein. Oh bah, je vais pas lancer un stream, hein. Tant pis, hein. Chier. Je te souhaite la bienvenue, Nufle. Ça me fait énormément plaisir de te revoir ici, au sommet de la Ligue Pokémon. Ta dernière épreuve est on ne peut plus simple, tu dois te battre contre moi. Vaincre la maîtresse en chef est la condition sine qua non pour réussir cet examen. Cependant, avant d'aller plus loin, permets-moi de te donner un petit avertissement. J'ai beau être la présidente de la Ligue Pokémon, je m'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis et je donne tout pour m'emparer de la victoire. Et en conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen, à mon grand regret. Néanmoins, je sens bien que tu es différent. Tu me rappelles maîtresse Menzi au fond. Pour toi non plus, rien ne semble impossible. Mais trêve de bavardage, es-tu prêt? Alors montre-moi toute l'étendue de tes talents! Non. Non, pas ça! Pas cette créature des enfers du cul! J'espère sincèrement que tu m'arracheras la victoire. Ouais, moi aussi, ouais. Bon. Let's go, le chien. On est ensemble jusqu'à la mort dans cette galère. Excellente offensive. Non, mais ta gueule, tu vas pas faire une réflexion à chaque fois que je lance une attaque, là. C'est bon, hein. Vas-y, joue. Ah, protection de merde. Aux capacités physiques, en plus, bien sûr. C'est pas une capacité physique, ça. Coup critique. Cette attaque fut dévastatrice. C'est bon. Applaudis. Balance. Je suis stressé. Plus de Cléopsitra, c'est fini. Perfect, pour l'instant. Niveau 59, en plus. Elle envoie un Seracrawl. C'est quoi, ça, déjà? Je le sais, hein, mais mon cerveau est... Est trop stressé pour réfléchir. Seracrawl, qui es-tu? Ah, c'est ce truc, un Pokémon glace. Mais attendez, mais Pokémon glace, je l'explose avec un Pokémon feu, du coup, non? Je sais plus. Si? Oui? Bah, c'est oui, normalement, avec un type feu, je l'explose. Je sais plus. Je vais laisser parler mon instinct. Il faut aussi y aller à l'instinct parfois, hein. Je n'ai que plus de mérite si je gagne après. Mais là, bof, hein. Ah, mais elle m'a rendu ma terre à cristallisation, mais c'est excellent. Ouais. Oh yes. Oh oui, mais merci le chien. Oh, j'adore le chien. J'aimerais trop avoir un fanart de moi avec le chien. Scalpereur, qu'est-ce que tu racontes, toi? Yeah, c'est, j'ai marqué. Scalpereur qui est Ténèbres Acier, je garde le chien. Oh, la gueule. Oh, le samouraï, quoi, il est trop stylé. Général suprême, trop stylé. Oh non, pas l'âme de roc. Non, le chien. Oh oui. Que t'arrive-t-il? Ça te ressemble pas de baisser ta garde. Va te faire foutre. Ça va bien se passer. Tiens, baisse ta garde, toi. Ok. Le scalpereur, c'est finito. On n'oubliera pas que le MVP de cette ligue, ça reste le chien. Je suis désolé de le dire, mais... Un délestin? Mais le délestin, c'est le poisson moche. Oupsi. Ok. EDF, à toi de jouer. Je t'envoie.
c'est tendu, j'aime bien. Ok. Ok. Ah, j'ai presque envie de balancer ma double décharge directe, mais je le ferai pas. On attaque avec une étincelle pour voir ce que ça fait. Oh, ça fait du bien. Très bien. En plus, ça le paralyse, mais quelle vie! Incroyable! Non. Oh, les dégâts, chien de la casse. Wouah! Non! Il est paralysé, il a réussi à attaquer avant moi. Je suppose que à quoi j'ai, ça attaque en prio. Et moi aussi, j'ai un truc qui attaque en prio. Tu vas voir ce que c'est. Allez, le chien. Tu es le MVP, n'oublie pas. Vitesse extrême. Let's go, le chien. Let's go, le chien. Ah. Ah. Elle envoie un chevroom. Waouh. Chevroom. Attendez, chevroom. C'est de la plante, ça, si je me souviens bien. Oui, c'est de la plante. Allez, le chien. Continue, t'as 9 HP. Mais lâche rien. Tu es mon chien. T'es le plus fort. Allez. Let's go, le chien. T'es mort, c'est pas grave, je te ramènerai. Je te ramènerai, le chien, t'inquiète pas. Ok. Qu'est-ce qui peut tempo? Roche ténèbres, ça peut tempo, ça? Non, pas du tout, je suis un con. Qu'est-ce qui tempo déjà face à la... Bah, face à la plante, hein, du coup. Vas-y, le chat. Voilà. Bon, à la limite, en vrai, je pourrais juste terminer. Ouais, je termine. Vas-y, tant pis pour le chien. Pas prendre de risque juste pour que le chien revienne à la vie. On l'oubliera pas, c'est sûr et certain. Un flore éclat. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Flore éclat. Ok. Flore éclat qui est roche poison. Vas-y, je te le laisse. Ah 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 ah, ne crie pas victoire trop tôt. Je crie rien du tout. C'est toi qui crie. Allez. Oh, c'est trop joli. Trop joli ce truc. Merde, j'ai dit que c'était quoi? Peur? Roche poison, canon graine dans ta grand-mère. Ah, j'aurais dû le terra cristalliser, tant pis. Elle terra cristallise elle, hein, c'était sûr. Ce Pokémon est très joli, cependant. Ce Pokémon est très mort, cependant. Let's go. Coup critique. Oh mon dieu, quel plaisir. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dépôt toxique. Mais non, fais pas ça. De toute façon, c'est fini là. C'était le dernier Pokémon. Let's go. Très content. On n'oublie pas le chien. Le chien, c'était vraiment... En plus, on a fini avec le chat comme on a commencé. C'était très beau. C'était une ligue parfaite. C'était une ligue magnifique que je voulais pas faire à la base. Merci pour les GG. Wow, quelle puissance extraordinaire et cette technique sans faille. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception avec des lunettes bleues. Je te félicite et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître Nufle. Tu l'as mérité, cette victoire. Félicitations. C'était merveilleux. Quelle émotion. Et c'est reparti. Les dresseurs et dresseuses de Paldea sont les trésors de notre région. Et celles et ceux qui atteignent le rang maître en sont les plus beaux bijoux. Maître Nufle, je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldea. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Je pense qu'une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. Oh non, pitié. Oh non, pitié. Y'a Menzi qui va me péter la gueule. Non, pitié, non. Ouf, ouf. Maître Nufle. Non, pas Menzi, non, faites pas ça. J'étais de bonne humeur. Non, non.
Nufle ! Me dis rien, ça se voit sur ton visage. T'as atteint le rang maître, hein ? Non, non. Ah, t'es marrant, mais allez à vous, t'es passé maître ? Non, non. Oh, ça suffit, t'es salade à la fin. T'es bien maître, rassure-moi. Non. Mais je suis sérieuse, là. T'as atteint le rang maître ? Oui ou non ? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle. T'es maître ou pas ? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle. Ah, putain, ok, d'accord, c'est parti pour la boucle. Oui. Eh, j'étais déjà au courant, en fait. Mais tu pètes les couilles, toi. La chef m'a prévenu quand t'as réussi ton épreuve pratique. On est maîtres tous les deux, c'est génial. On peut donc se battre sur un pied d'égalité. Oh non, pitié, fais pas ça. Alors, je t'ai posé une question. Je t'ai déjà posé cette question, mais là, c'est l'occasion de confirmer. Tu veux bien devenir mon rival? Ouais. Super! Et tu sais ce qu'on fait quand on est des rivaux dignes de ce nom? Des combats à la pelle! D'ailleurs, si on en faisait un tout de suite, je vais absolument tout donner cette fois. Un instant, maîtresse Menzi. Arrête de lui péter les couilles tout le long du jeu. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Maître Nuf vient à peine de finir son examen de maîtrise et tu veux déjà lui bourrer le mou. Lui et ses Pokémon doivent être fatigués, bon Dieu. Tu sais que les maîtres et maîtresses ne doivent pas faire preuve d'égoïsme. Laisse-les donc se reposer d'abord. Oh oui, vous avez raison. Oups, j'ai encore été trop enthousiaste. Pardon, Nufle et Arcanin, le GOAT. De plus, si tu souhaites vraiment que le premier combat qui célèbre votre nouvelle rivalité ait lieu sur un sentier comme celui-ci... Non, enfin je veux dire, je me suis trompé, j'ai rajouté un si, je m'en fous. Dit comme ça, c'est sûr que... non. Dans ce cas, vous pourriez nous prêter le terrain de combat de la Ligue Pokémon pour un petit moment, s'il vous plaît? Je suis sûr que vous pouvez trouver un endroit qui a une signification particulière pour vous deux, non? Un endroit avec une signification particulière? T'as une idée, Nufle? Dans ton cul? Derrière ta maison, Menzi, dans la ville de Mesaledo, au restaurant Trésor Culinaire. Derrière ta maison. Comme ça, tu rentres chez toi très vite. Ah! C'est vrai que c'est là-bas qu'on a fait notre premier combat. Mais je connais cet endroit par cœur, il a rien de spécial. T'as une autre idée, Nufle? Dans la ville de Mesaledo. Mesaledo, super idée, c'est là que notre voyage a commencé. Tu te souviens quand Monsieur Chlamydia nous a expliqué la chasse au trésor, Nuf? Comme quoi, on devait partir à la recherche de notre propre trésor? Eh bien, moi je l'ai trouvé, mon trésor. C'est toi, un rival à mon niveau contre qui je peux tout donner en combat. Oh, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Nufle. Bon, et maintenant? Direction le terrain de combat de la place centrale de Mesaledo, je t'attendrai là-bas. Allez. J'admire le respect mutuel que vous entretenez. J'aurais aimé qu'elle se montre aussi sincère avec moi lors de son examen final. Maîtresse Menzi a beau m'appeler chef, je sais qu'elle a retenu ses coups lors de notre combat. Mais contre toi, je pense qu'elle montrera toute l'étendue de ses capacités. Ah, ça veut dire que je vais me faire exploser ? Nous sommes maître Pokémon. Je suis très content. Oui. Ah ! Bon ! Prochain arrêt... le cul de Menzi.